Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas revu, puisque j'envoyais toutes mes vidéos au niveau des shorts, hein, puisque ça allait beaucoup plus vite. Et là, j'ai dit que je vais reprendre mes vieilles habitudes, parce que ça me fait toujours plaisir de faire mes vidéos avec vous et prendre le temps surtout de commenter et de trouver le bon prono. Alors, comme vous le voyez, il y a Ligue des Champions ce soir pour ce huitième de finale et le PSG affronte le Bayern de Munich. Les amis, vous avez en description mon contact et surtout mon lien Telegram parce que c'est important que vous nous rejoigniez sur Telegram parce que je diffuse des pronos, par exemple, une heure avant une rencontre. Voilà. Donc là, on est plus de 8000, hein, 8300 aujourd'hui. Hein, donc c'est pas mal et en plus on peut commenter sous les publications et ça permet de nous mettre en lien. Donc venez sur Telegram les amis, c'est dans la description, vous faites un clic et vous tombez sur moi. Alors, que dire de cette rencontre entre le PSG et le Bayern de Munich les amis? Comme vous le savez, le PSG va pas bien du tout, pas bien du tout. On l'a vu en Coupe de France face à l'Olympique de Marseille. Bon, il est vrai que l'Olympique de Marseille était monstrueux tout au long du match. Une pression constante sur le PSG. Après, on va me dire, oui, mais Kylian Mbappé n'était pas là, etc., etc. Non, moi je dis qu'à ce moment-là, l'Olympique de Marseille était beaucoup, beaucoup plus forte et avait plus surtout d'envie et d'entrain. Mais là, le PSG attaque la Ligue des Champions. Je pense que des joueurs de renom comme Neymar, Messi ou Kylian s'intéressent beaucoup plus au haut niveau, qui est la Ligue des Champions, qui est on va dire, qui est le sommet du professionnalisme au niveau du football et que tout le monde a envie de gagner, quoi. Donc, moi, je remettrai les compteurs à zéro et nous allons voir un autre visage du PSG. Alors, du côté du Bayern de Munich, Munich ne va pas bien du tout aussi. Ça va pas très super bien. Mais le Bayern, je pense qu'ils vont venir au PSG pour faire un match nul. Parce que match nul signifie, est synonyme de victoire. Parce qu'il y a bien sûr un match retour chez eux. Alors, j'opterai plutôt pour résultat du match. Donc, victoire PSG, remboursé si match nul, les amis. Ça permet de sécuriser le prono. Et il y a une forte probabilité pour que ça passe aussi. Alors, vous voyez la cote de 1,95? Eh bien, avec mon book, je l'ai à 2,05. Hein. C'est énorme comme différence. Donc, venez sur Telegram, il y a mon book. Tout est expliqué. Et en plus, vous avez le bonus de bienvenue. Donc, c'est au top pour ce soir, pour pouvoir jouer pour ce huitième de finale. Je vous souhaite une très très belle après-midi et je vous dis peut-être à tout à l'heure sur Telegram parce qu'on va discuter entre nous sur Telegram. Ciao, ciao.